Webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Il semblerait bien que notre société devienne de plus en plus puritaine. Alors si bien sûr, on ne peut qu'apprécier que les harceleurs et les violeurs soient maintenant punis, il ne faudrait pas tomber dans une société totalement sexophobe. Parce que il y a maintenant un rejet de tout ce qui serait de près ou de loin assimilé à du sexe, juste pour du sexe. Or, il me semble quand même que le sexe, c'est tout de même un plaisir, somme toute, assez noble. Pour faire ce constat, eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Philippe Breneau et on va notamment essayer de se poser la question pourquoi est-ce aujourd'hui normal d'être complètement contre la pornographie en général? Pourquoi les jeunes font-ils de moins en moins l'amour? Comment trouver un juste équilibre entre les abus d'antan et puis un plaisir à la portée de tous? Il me semble qu'il serait peut-être bon de réhabiliter l'érotisme, mais faudrait-il encore savoir de quoi on parle quand on parle d'érotisme? Je vous invite en tout cas à venir nous rejoindre pour me donner votre avis. Est-ce que vous considérez en effet que la société est devenue sexophobe ou est-ce que vous considérez que c'est bien qu'on ne mette pas le sexe à toutes les sauces? Vous pouvez nous appeler pour réagir au 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous Philippe. Vous êtes psychiatre, sexologue, mais également anthropologue et puis également amateur de curiosa. Vous êtes comme moi, vous aimez l'érotisme. Vous avez peut-être envie de réagir à ce que je viens de dire. Est-ce qu'au fond, notre société parle peut-être trop de sexe et pas assez d'érotisme? Alors c'est très vrai que si on regarde, alors moi j'ai toujours, il y a le problème du recul dans le temps. Bien sûr. Si on parle d'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est très bien, bon on va en parler aujourd'hui je pense, pour les très jeunes générations, tout est raconté par rapport à ce qui s'est passé dans les 10 ou 20 dernières années, dans les 10 dernières années. C'est formidable, il y a des quantités de choses qui évoluent. Si on regarde sur beaucoup plus longtemps, c'est vrai que l'intérêt pour le sexe est très présent, il est permanent. Pour quelle raison? Parce qu'il y a encore des tabous. Il y a des choses, tout simplement, ces tabous, c'est des choses qui ne sont pas comprises. Et il y a des médias. Les médias, c'est les gens qui vont vous amener telle information. Eh bien, quel domaine en dehors de la sexualité amène autant d'intérêt, s'il y a de la curiosité? C'est que on sait pas très bien comment les autres font l'amour. Par exemple, on vous dit ah mais vous rendez compte, il y a les trois temps de l'amour, ah, je savais pas. C'est-à-dire qu'en fait, énormément de choses peuvent retenir notre attention parce qu'on est inquiet pour nous-mêmes de cette propre dimension. Et c'est comme ça que vous avez pratiquement tous les chroniqueurs, beaucoup de journalistes vont parler de sexualité pour trouver quelque chose qui va attirer. C'est vrai que ça attire. Alors, c'est d'ailleurs le mot sexe, le mot le plus tapé sur Google, hein, bien voilà. Avant Dieu, Allah et autres. Exactement. Et si on prend 30 ans de recul, simplement 30 ou 40 ans de recul, les plus jeunes seraient étonnés, le mot sexe n'existait pas. En 1980, je me souviens avoir publié un livre qui était « Les mots du sexe ». En 85, j'ai dû le publier. On nous avait dit « ça marchera pas » et c'était « sexualité ». Le mot « sexualité » dans les années 90, on parlait rarement du terme « sexe ». Aujourd'hui, on met rarement le mot « sexualité » entier. Dans les années 80, il n'y avait pas de sexologue. Ça commençait à arriver, mais très peu. C'était très peu, et c'était pas du tout un métier, j'allais dire, dont on parle. Mais alors, moi, l'idée de l'émission aujourd'hui, c'est ce livre que j'ai reçu, Sexophobie, qui est aux éditions Laborintus. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Mais je me suis surtout dit, en effet, on est dans une période où quelque part, moi, j'entends très souvent un combat contre la pornographie. J'entends qui serait responsable de tous nos maux. J'entends quand même beaucoup aussi alors après c'est toujours complexe de comprendre d'où ça vient, mais des gens qui considèrent que il faut arrêter de mettre le sexe à toutes les sauces, alors que je trouve qu'au contraire il y a plutôt un recul. Donc c'est vrai qu'il y a alors est-ce que on a trop parlé de sexe et pas bien? Est-ce que les jeunes aujourd'hui, on a la dernière enquête, font beaucoup moins l'amour?
les femmes n'ont plus très envie non plus d'avoir d'enfants. Enfin, il y a quand même un mouvement comme ça très fort. Oui. Et alors ces mouvements très forts, ils sont quand même très récents, c'est moins de 5 ans. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça correspond d'ailleurs à quelque chose d'important, qui est toute la série des hashtags qui ont permis de mettre en actualité des choses que nous, sexologues, disons depuis 40 ans, depuis les années, début des années 80, qui sont, attention, il y a beaucoup de violences sexuelles, il y a de l'inceste, et c'est la première fois que des choses peuvent se passer ou commencer à se passer. Alors c'est très vrai qu'à partir de là, il y a en même temps l'avènement d'un féminisme qui n'a pas terminé d'imposer notamment une sorte d'égalité, notamment de salaire d'abord, d'égalité de respect entre hommes et femmes, ok. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qui ont l'air de se catapulter. La baisse du désir sexuel, peut-être, il faut attendre un petit peu plus longtemps. On le sait très bien, quand on est sociologue, anthropologue, il faut un recul sur 10, 20 ans. On va voir, est-ce qu'on fera plus l'amour dans 20 ans ? Personnellement, ça m'étonnerait. Par contre, qu'il y ait aujourd'hui des inquiétudes, qu'il y ait des mouvements dans tel sens, avec des jeunes générations, c'est pas vrai de toutes les générations, qu'il y ait des inquiétudes pour certains couples avec, par exemple, la peur de l'environnement, l'éco-anxiété. Oui. Mais il y a une chose aussi que je trouve intéressante peut-être à signaler, et puis après on donnera évidemment la parole à ceux qui nous écoutent et qui réagiront. On est aussi actuellement en train de nier un peu la biologie avec la question trans. Mmh. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est aussi une façon de nier le sexe. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été dit de cette façon-là. Le sexe n'existe pas, il n'y a que le genre. C'est-à-dire, nos attitudes relationnelles avec les autres, c'est-à-dire notre orientation sexuelle. Mais la biologie existe. Et le genre aussi. Et on ne choisit pas son sexe, contrairement à ce qui a été dit. Alors là, je l'affirme, et on pourra, si on en discute, il y a des arguments très solides. On ne choisit pas son sexe. C'est pas les médecins qui l'assignent à la naissance. Bah, ça peut très bien être, c'est pas forcément un homme, ça peut être une sage-femme qui va tout simplement... Je crois que le nombre d'enfants qui naissent avec un sexe indéterminé, il est ridicule. Enfin, c'est tout à fait. C'est 1 pour 10, pour 100 000, ou c'est très très peu. Je crois que c'est ça, oui. C'est extrêmement peu. Par contre, il y a des problèmes d'identité, il y a des problèmes d'orientation, et la chose qui est compliquée, c'est qu'on a souvent fait croire à des adolescents qui pouvaient décider. Et qu'il suffisait de décider de changer de sexe pour aller mieux. Mais je me pose toujours la question, est-ce que ces difficultés à se sentir d'être bien dans son sexe biologique, pour utiliser des termes qui sont irréfutables, cette difficulté, est-ce qu'elle vient depuis toujours et que c'est parce qu'on en parle aujourd'hui que plus de gens osent l'affirmer, ou est-ce que c'est parce qu'actuellement on est dans une société où les repères sont totalement en train d'être mouvants, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire qu'être un homme, qu'être une femme, de fonder une famille, de former un couple, enfin donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un tel bouleversement de nos valeurs, on n'a toujours pas encore trouvé les nouvelles, et bien sûr. Moi je ne dis pas qu'il faut revenir aux valeurs d'antan, j'en sais rien, je sais pas, et puis moi je laisse... Certainement pas, parce qu'on évolue, il y a des tas de C'est quand même intéressant de voir qu'il y a un malaise, si je puis dire, comme dirait certains de... Dans la civilisation et dans le sexe. Malaise dans le sexe. Mais c'est très vrai que, Brigitte, vous le disiez, il y a un malaise, notamment pour... Il faut arriver à reconnaître ce qui s'est appelé, il y a une trentaine d'années, on parlait de minorité sexuelle, c'est-à-dire qu'il y avait l'homosexualité, on parlait même pas des trans, alors que ça existait. Nous, en tant que sexologues, on les suivait, on les accompagnait. Bien sûr. Et aujourd'hui, faire comprendre à tous que le transsexualisme, ça existe, qu'il y a des mouvements dans plusieurs sens... Ce que ça veut dire, après le généraliser est plus compliqué. Et c'est ça, je pense, qui donne du trouble, parce que ce n'est pas la majorité des gens, mais il ne faut pas induire aussi, notamment les adolescents, dans des impasses. Pour conclure cette introduction, je voudrais revenir à ce que dit un de mes maîtres, Willy Pazini, que vous connaissez bien, et qui disait, et qui dit certainement encore, une société
société a besoin d'une norme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas être dans la norme, mais une norme permet de libérer beaucoup d'anxiété. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a aussi le mouvement actuel qui permet la reconnaissance des sexualités multiples. Et c'est bien, c'est important que tout soit reconnu. Ce mouvement-là, il déconstruit. Et c'est vrai que c'est là qu'on est dans un malaise parce que on enlève les normes. Ces normes sont politiques. Oui, c'est-à-dire que tout est politique dans la vie. Ça participe de la vie de la cité. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses qui devraient être acquises par l'éducation, et il n'y a pas d'éducation à la sexualité, qui devrait être acquise par des repères qui vont se remettre en place. Mais on est dans une période peut-être un petit peu floue, où justement, c'est bousculé pour essayer de mieux comprendre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec vous, bien sûr. Venez réagir, venez donner votre avis, votre sensation, comme ça. Est-ce que justement, on serait dans une société un peu trop sexophobe actuellement? 0-826-300-300, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Bruneau est avec nous. Vous êtes également auteur de nombreux livres. Et je rappelle que votre dernier, c'est Éloge de la masturbation. Hein, donc, c'est important. Oui, vous êtes comme moi. Vous continuez à aider les gens à aimer la sexualité et à être libre. Et puis, je crois qu'il faut qu'on le dise, on a une pratique masturbatoire. Ce n'est pas un gros mot, parce que personne n'ose le dire. C'est normal toute sa vie de pouvoir s'auto-stimuler quand on le désire. Et puis c'est quand même un des actes qui fait du bien et qui est gratuit. Oui. Hein. Avec la personne qu'on aime le mieux. Exactement, enfin en principe. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Merci Marlène. De me recevoir. Merci de faire des émissions comme celle-là. Ben merci à vous. Des heures d'antenne publiques, des heures d'antenne qui sont écoutables par beaucoup de foyers et pas forcément pour les enfants, je suis d'accord, mais au moins pour les gens qui sont qui peut-être n'écouteraient pas ou qui ouvriraient pas un livre là-dessus. Eh ben merci en tout cas d'y participer parce que on a besoin de vos avis aussi. Donc j'imagine, vu ce que vous dites, que vous êtes assez d'accord avec nous. La société est peut-être un peu en train de devenir sexophobe. Oui. Peut-être que j'y participe sans le savoir. Hein. Peut-être qu'on y participe tous sans le savoir parce qu'on ne sait plus en fait quel est le juste ou le pas juste. Moi, je suis parent, je suis maman. On éduque les enfants comme on essaye de faire le meilleur, hein, comme tout le monde. Mais on ne sait pas si on va faire le meilleur. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. c'est déjà bien, hein. De toute façon, je crois qu'on l'a dit, hein, être parent, c'est un job impossible. Hein, donc, faire ce qu'on peut, c'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est ça. On essaye. On fait chaque jour est un nouveau jour et chaque pierre, on va dire, crée un édifice. Après, qu'il soit aimé ou pas aimé, ça, c'est... C'est pas à nous de juger, hein. C'est alors, ils ont quel âge? Qui verront, on leur donne. Ils ont quel âge, vos enfants? Alors, moi, j'ai 8 et 9 ans. D'accord. Fille et garçon. Donc, j'ai une fille en premier, un garçon après. Mm-hmm. Et un garçon qui a été détecté assez tôt TDAH, avec hyperactivité et dyslexique sévère. Donc, très, très compliqué pour lui d'exister en tant qu'élève. Bah oui, il s'ennuie. Il s'ennuie en classe. Hein. Il s'ennuie ou alors il paraît bête alors qu'il n'est pas du tout bête. Il est super intelligent, mais pour lui, tout ce qui est écrire, en fait, il serait né à l'époque des hiéroglyphes. Il aurait été le meilleur savant. Bon, en tout cas, revenons à notre sujet. Vous leur parlez déjà d'un peu de sexualité? Oui. Ben bravo. Oui. En fait, très tôt, j'ai fait parce que j'ai peur, pour entre eux, même entre enfants, parce qu'ils découvrent, comme j'ai une fille et un garçon, très tôt, ils se touchaient entre eux, les bébés, hein,
Et on a essayé, au début on faisait le bain ensemble, après tout doucement bon, on a arrêté, et puis maintenant la douche, c'est chacun son tour et pas dans la, au même moment. Vous respectez leur pudeur. Voilà, c'est ça. Mais vous êtes, vous avez l'air d'être assez libre sexuellement. Oui, oui. Mmh. Oui, très libre, surtout avant d'avoir eu des enfants. Peut-être un peu moins maintenant, parce que on ne sait pas s'il faut pas, parce qu'après, j'ai pas envie que ce soit eux les initiateurs à l'école de dire comment on fait les bébés, tout ça. Donc c'est pas évident de savoir. Je me suis dit, est-ce qu'on leur dit comment c'est fait? Est-ce qu'on dit comment les animaux font? On ne sait pas exactement. On se dit, bah, ça va se faire à l'école. Puis en fait, on s'aperçoit que CM1, c'est toujours pas fait. Non. Donc je me dis, bon, est-ce que je la laisse chercher toute seule dans un dictionnaire? Est-ce que... Ouais. C'est pas évident. On est un peu perdu quand même. En tout cas, ce que disent beaucoup de pédopsychiatres, c'est qu'en effet, à partir de 8-9 ans, il vaut mieux avoir déjà donné les informations essentielles. Donc, bravo, vous avez fait ce qu'il faut. Et moi, je crois. Je l'ai dit à mon fils, parce que ma fille le savait. Et comme ils n'ont qu'un an d'écart, mais avec l'école, il n'est pas au même niveau. Du coup, je lui ai dit quand même, parce que je me suis dit, bon, je préfère que ce soit moi qui lui dise que ma fille qui lui explique. Je ne sais jamais, des fois, ils dorment dans les mêmes chambres. Voilà, j'ai dit, au moins, on sait, il n'y a pas des choses qui ont été dites bizarrement, ou voilà. Donc je l'ai dit à mon fils et voilà, j'ai dit que son sexe était très important pour lui et qu'il fallait qu'il le préserve pour lui et il n'y a pas besoin de parler de ça à l'école plus que les autres. Parce que je veux pas que ça soit le centre. Oui, et Marlène, moi je pense que vous avez réussi à leur parler parce que, comme vous disiez, j'ai eu une sexualité libre, c'est-à-dire que vous avez pu avoir des expériences sexuelles, avoir une idée de la complexité de la sexualité, de la variabilité, des choses que vous avez pu vivre. Il n'y a pas de raison d'en parler, de ça. Mais par contre, c'est parce que vous aviez des choses à dire, de façon générale sur la sexualité, que vous pouviez le dire. Une grande majorité des parents... Toutes les enquêtes le montrent toujours et depuis longtemps, ne peuvent pas et ne savent pas parler aux enfants. En grande partie, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas libres avec leur sexualité. Ils l'ont quelquefois pas vraiment connue. Ils ont une relation dans laquelle il y a peut-être des contraintes. Et en définitive, c'est pas si facile que ça de parler aux enfants de sexualité. Il faut pouvoir être prêt à répondre à ce qu'ils demandent. Et je pense que vous l'avez fait parce que vous sentiez que vous pouviez leur répondre. Oui. Il y a deux ou trois règles aussi à rappeler aussi aux éditeurs. C'est-à-dire, si on parle avec des ados, des pré-ados, c'est beaucoup mieux même, de sexualité, on ne parle surtout pas de sa propre sexualité. Surtout pas. Par exemple, tu sais, papa et maman, quand on fait l'amour, non, surtout pas. On peut parler de façon générale. C'est-à-dire, tu sais, la sexualité, d'abord de façon très positive, ce qui leur permet de continuer à la penser. Alors que très souvent, vous avez eu des messages, attention, c'est sale, autrefois c'est sale, après c'est dangereux. Ouais, non. C'est-à-dire dire, là je parle à vous Marlène, mais vous savez, mais aux autres auditeurs qui ont besoin d'entendre ça, c'est de dire, c'est la sexualité, c'est quelque chose qui est très bien entre deux personnes adultes qui se sont choisies. Et dans tous ces termes, on entend le choix, le consentement de personnes adultes. Et c'est quelque chose qui peut être très épanouissant. Ça donne de la joie, du bonheur. Ça suffit. À partir de là, il n'y a pas besoin de dire grand-chose d'autre. Mais on peut répondre à leurs questions, toujours en ne parlant pas de soi. Et si c'est trop compliqué, je parle pour les gens qui sont à l'écoute, vous pouvez essayer d'orienter vers quelqu'un de la famille qui serait assez libre, comme Marlène par exemple, et leur dire par exemple, tiens, tu pourrais parler avec un oncle, tante, ou quelqu'un, qui vont ne pas avoir la dimension oedipienne et qui peuvent plus facilement parler, tiens, par exemple, de sexe, de genre à genre, si on veut. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'une fille parle à une tante, à une petite fille, ou à un homme, à un garçon, en disant, tu sais, la sexualité, ben, ça s'apprend progressivement. Moi-même, j'étais pas très à l'aise à 20 ans, mais par la suite, mais ça,
un oncle peut le dire, un père ou une mère ne va pas le dire. Et j'ajouterais quand même, Philippe Bruneau, aujourd'hui c'est quand même important de dire à ses enfants qu'en effet, de temps en temps, on peut tomber sur des images qui montrent du sexe, mais ce n'est pas ça la sexualité, et ce n'est pas, pas pour les enfants. Voilà. Oui. C'est juste donner cette information pour que l'enfant, si jamais ça lui arrive, malheureusement, soit prévenu. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y aura une possibilité éventuellement d'en parler à ses parents, et en tout cas il saura que c'est pas à regarder, et ça sera une précaution nécessaire. Pas mal d'études récemment sur des pré-ados ou des ados qui montrent que sur 20 ans, ils sont de plus en plus nombreux à savoir que, par exemple, le porno, c'est pas la vraie sexualité de tous les jours. Et ils le disent eux-mêmes. Mm-hmm. Mais oui, il faut les aider à ce que ce soit pas traumatique. C'est mieux d'en avoir dit 2-3 mots. Merci Marlène, en tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous au 0826-300-300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Bruneau est avec nous et nous évoquons le sexe dans la société. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'on en parle mal? Et c'est à vous de nous donner votre avis. Bonjour Jacob. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Jacob. Bonjour. C'est Philippe Bruneau qui est avec nous, Jacob. D'accord. Bonjour Philippe Bruneau. Avec plaisir. Et c'est important parce que c'est Philippe qui nous a fait cette magnifique bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, qui aux éditions Les Arènes. Et c'est toujours un livre que je conseille, et notamment pour des ados, pour des jeunes de 13, 14 ans, ça peut les. Ah ben ça parle de beaucoup de choses, et on fait le tour dans l'histoire et dans les civilisations pour comprendre ce qu'est la sexualité. Il y a beaucoup de variations, et nous sommes une variation, l'Occident un peu libre. Oui, parce que encore une fois, là, on parle de ce qui se passe en France, mais si on regarde autour de nous, il y a des pays, malheureusement, où ça va pas très très bien, et où la sexualité est carrément réprimé. Il y a des sociétés qu'on appelle restrictives, c'est-à-dire qui ont une morale restrictive, et puis des sociétés libérales, il n'y en a pas beaucoup. Mais on est quand même pas mal parmi ceux-là. Faut pas trop se plaindre, oui. Alors, Jacob. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jacob, justement? Oui, donc moi je voulais dire qu'il y a beaucoup de virtuels, en fait, on a beaucoup de... Vous m'entendez bien, ça va, ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord. On est beaucoup dans le virtuel et que bon, moi je suis plutôt de l'ancienne génération, et c'est vrai qu'avec, alors je sais pas, j'ai pas écouté l'émission, je sais pas si je fais de la redite ou pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet, bon moi le premier, hein, pour satisfaire des envies, des besoins, et voilà, il y a du virtuel, beaucoup de virtuel. Oui, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire. Oui, enfin du coup on fait plus rien dans le concret, et ça explique peut-être aussi que la sexualité est pompante, qu'on ne veut plus virtuel, et il faut aussi faire marcher la machine. Je sais pas, parce que je me méfie toujours de vous savez, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, et je me méfie toujours. Est-ce que c'est le virtuel qui fait que les gens vont moins les uns vers les autres, ou est-ce que c'est notre société de plus en plus individuelle, Moi, je suis pas certain que les choses soient virtuelles. Parce qu'au début, vous voyez, cette histoire dont vous parlez, Jacob, ça date de 20 ans. Lorsque commence à arriver, d'abord, il n'y avait pas de smartphone dans les années 90. Oh. Arrivent les téléphones, la possibilité, et puis notamment, par exemple, les sites internet de rencontres, les sites porno, ainsi de suite. Mais au départ, on disait d'ailleurs, ce sont des rencontres virtuelles. Parce que très souvent, elles étaient longues. Aujourd'hui, ce ne sont pas des rencontres virtuelles. Ça permet des rencontres improbables. C'est-à-dire, vous pouvez rencontrer des gens que, dans la vie, c'est impossible de croiser cette personne qui est dans un autre milieu, ainsi de suite. Mais très vite, en très peu de temps, quelquefois en deux contacts virtuels, si on veut, ou par Internet, eh bien, on se rencontre en vrai. Mais les gens qui continuent la rencontre en virtuel, moi j'en ai connu, ça donne des choses très compliquées. Des attachements à une personne qui est très loin de la réalité lorsqu'on se rencontre un an ou deux ans plus tard.
Et la dernière chose, c'est ce que vous dites par rapport aux excitations. Ben oui, c'est vrai que trouver de l'excitation par un site porno sur le net, c'est pas la même chose que d'être dans une sex shop avec un contact visuel d'une personne qui est là, proche. Mais en définitive, ça remplit le même rôle, puisque c'est pour trouver de l'excitation qu'on va utiliser cela. Donc je suis pas sûr que ce soit si virtuel que ça aujourd'hui. Moi, je vous parle des gens qui mettent le cam et puis qui carrément font des choses entre eux simplement en cam et qui se rencontreront jamais. Ah, d'accord. C'est de ça aussi que je parlais. Alors moi, je suis entre deux générations. J'ai connu la discothèque, les boîtes, les balles et maintenant Internet aussi où je suis. Et voilà. Mais je vois vraiment la différence. J'ai les deux références. Oui, mais ce que je veux dire, Jacob, c'est que d'abord quand on va dans des endroits à Paris le soir, il y a énormément de cafés remplis de jeunes et qui là. Et je suis pas. Mais c'est vrai que parallèlement, il y a une anxiété importante chez une catégorie de jeunes. Bon, est-ce que c'est parce qu'ils sont anxieux qu'ils ne sortent pas, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont accros de leur smartphone? Moi, j'ai pas la réponse, mais je suis pas sûr que le virtuel soit soit si responsable de cette anxiété et de ce retrait. Je pense que ça vient plus de l'époque de l'épidémie de Covid où il y a des jeunes qui ont complètement débranché. Mais parce qu'on les a enfermés, enfin peut-être qu'il fallait les enfermer. Je suis pas encore une fois en train d'être là pour parler de cette épidémie, mais on a vu que il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. C'est difficile. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec le succès du livre de Thérèse Argaud, qui a été reçu dans beaucoup de médias, qui tire à boulet rouge sur la pornographie. On voit qu'aujourd'hui, dès qu'on peut critiquer la pornographie, qui serait responsable de beaucoup de choses, on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui un rejet de tout ce qui serait sexe. Oui, moi il me semble qu'on est dans une période particulière où l'importance des réseaux est considérable, comme si le réseau social était la place publique. Et la vérité absolue. Et la vérité absolue, et le tribunal populaire, ainsi de suite. Très souvent, d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a très peu de monde. Par exemple, moi je suis sur X depuis très longtemps, enfin c'était Twitter. Je suis surpris de gens qui n'ont aucune culture de rien, qui me donnent un avis. Tout d'un coup, les gens derrière, oui c'est scandaleux, ah c'est très bien. Et vous allez avoir une dominante qui va se faire. Par exemple, là on est dans la suite des hashtags. On peut dénoncer qui on veut. On devrait s'intéresser au silence, par exemple là, le silence des hommes par rapport aux agressions féminines. Aucun homme n'ose parler, mais même dans des gens qui sont connus, parce qu'ils savent très bien, même sans soutenir un point de vue inverse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas débattre, parce que immédiatement la personne sait que ce qu'elle écrira par la suite va être déboulonné. C'est-à-dire qu'on discrédite une personne. C'est très facile aujourd'hui de discréditer. Et comme vous le dites, on peut discréditer, alors certains vont discréditer la sexualité, la pénétration. S'il y a suffisamment de monde pour ça, eh bien ça va être un grand mouvement qui se limite à, je ne sais pas, c'est peut-être 3%, 10% de la population, peut-être. À peine, à mon avis. On ne peut pas le savoir. Mais c'est vraiment compliqué. Ça fait beaucoup de bruit. Effectivement. Et actuellement, il y a notamment des mouvements style... Alors, est-ce que c'est de la sexophobie? Moi, le terme me gêne, hein, on pourra en parler, mais en tout cas, c'est tout un tas de choses qui ne sont pas forcément cohérentes, mais qui vont dans le sens de critiquer la sexualité. Alors, on peut critiquer le porno, on peut critiquer les orientations sexuelles, on peut critiquer... Mais il faudrait qu'il y ait des arguments. Et puis qu'il y ait une capacité, une possibilité de dialogue. De dialogue, parce qu'il n'y en a pas. Et c'est ça, moi, qui m'ennuie beaucoup. Moi, je veux bien qu'on critique la pornographie, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut, mais qu'on me donne des arguments que je puisse défendre, ou pas, d'ailleurs, la pornographie. Je peux juste vous répondre. Bien sûr, Jacob.
Par rapport à l'épidémie, le fameux enfermement qui a vraiment fait des dégâts chez les jeunes et renfermer les gens sur eux, ça, je suis d'accord. Mais nous, on avait le sida quand même. Moi, j'étais terrorisé avec ça. Je vous dis franchement, moi, les années sida, ça a été... Oui, mais enfin, on était libre. Excusez-moi, on était libre. On était libre de continuer ou pas à baiser. On était libre de mettre des préservatifs ou pas. Là, on n'a pas été libre. Donc oui, c'est quand même une différence fondamentale, me semble-t-il. Mais enfin, moi je sais que oui, mais j'ai quand même bien la trouille pendant toutes ces années et ça a mis un frein à ma sexualité à cette époque-là et j'ai pris des précautions sur précautions. Mais bon, ce qui s'est passé... Vous mettiez deux préservatifs au lieu d'un, c'est ça? Non, je plaisante, je vous fais marcher. Oui, deux les uns sur les autres, presque, mais une espèce de psychose, je vous dis pas. Mais parce que vous êtes d'une nature plutôt anxieuse. À l'époque, on parlait d'ailleurs de safe sex, c'est-à-dire attention, Alors en plus, moi je suis bi, donc j'ai fréquenté le milieu gay, libertin et tout ça. Donc je prenais vraiment des précautions, quoi. Mais c'est vrai que vous avez raison par rapport à la liberté, c'est que là, on nous a imposé. Mais c'est sûr, mais ça n'a pas été simple, quoi. C'est très compliqué. Et actuellement, je pense que c'est très compliqué pour les jeunes, en fait, ce qui se passe aussi, quoi. Mais là où vous avez raison, c'est vrai que quand est arrivée l'épidémie du sida, il y a eu une petite baisse de la sexualité et il y a eu une augmentation de gens qui se mettaient en couple pour pouvoir continuer justement à avoir des relations sexuelles. Donc il y avait pas cette sexophobie, même si vous n'aimez pas le titre. Non, c'est pas que j'aime pas. Il faudrait le discuter un peu parce que sexophobie, ça voudrait dire que le sexe me gêne. C'est le terme de phobie. C'est ça un sens. Vous préférez le terme d'un retour du puritanisme. Je ne sais pas. Est-ce que d'abord tous les mouvements vont dans le même sens? C'est vrai qu'il y a un retrait d'une sexualité. Alors, c'est donné aussi, et l'auteur en parle bien, de la façon dont la dimension politique. Tout à l'heure. La dimension politique, c'est-à-dire qu'un retrait d'une sexualité qui serait conventionnelle, bourgeoise, cisgenre, et qui amènerait aujourd'hui à ce que tout le monde se mette en retrait devant le fait que... montrant que jusqu'à présent, c'était une sorte de sexualité imposée qui s'exerçait. Ça, je serais plus réservé, voilà. Il y a la féminisation aussi, je veux dire, la place de l'homme, c'est un peu compliqué aussi en ce moment, avec les mouvements, on n'ose plus trop draguer, mais ça vous le dites souvent dans vos émissions, je ne suis pas le premier, et c'est vrai qu'on a un peu peur, quoi, de s'embarquer, qu'est-ce qu'on va penser, comment ça va se terminer, est-ce qu'il n'y aura pas une plainte au bout? Donc ça peut-être expliquer aussi que les hommes... Écoutez, on va continuer en tout cas, Jacob, merci d'être intervenu, Émilie va répondre à trois questions intimes, vous pourrez en poser une également, à Philippe Brenot. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous, Émilie. Alors, première question, est-ce que vous avez souvent été harcelée? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça, justement? Harcelée, pas souvent, c'est arrivé, mais pas souvent, mais voilà. D'accord, donc c'est intéressant parce que, une fois, on voit bien entre le courant qu'on entend de manière générale et puis l'individu, on voit bien qu'il y a une grande différence. On a l'impression quand on entend que toutes les femmes ont été harcelées. Et non, vrai aussi, comme vous dites un peu, et si on le demandait à un homme, moi j'ai jamais été harcelé. Vous avez de la chance, parce que moi j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont raconté que certaines femmes leur mettaient carrément la main dans la braguette. Mais ça peut arriver. Mais vous ne considérez peut-être pas que c'est du harcèlement, ça. Si, mais ça ne m'est pas arrivé. Ça ne vous est pas arrivé, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Pas avec une inconnue, non? Non, d'accord. Bon. Allez, deuxième question, Émilie. Est-ce que vous avez déjà été avec une femme? Oui, j'ai déjà fréquenté une femme. J'ai beaucoup aimé. Oui, vous avez beaucoup aimé. La sexualité, donc. Parce que vous ne m'avez pas dit que je l'ai beaucoup aimé. Vous m'avez dit que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai, ça n'a duré qu'un mois. Et après, j'ai déménagé. Mais j'ai beaucoup aimé la douceur. Mm-hmm. Et ses courbes. Voilà. Mais ça, c'est nouveau aussi. D'oser en parler. D'oser en parler. Et puis surtout, d'oser le vivre. C'était quelque chose de beaucoup plus rare il y a 30 ans. Et dernière question.
quel serait votre plus grand atout pour séduire? Il paraît que c'est mon sourire. Il paraît que apparemment ça plaît. mais pourquoi vous avez pas l'air d'être sûre de ça? Je sais pas. Pour moi, c'est naturel de sourire et c'est pas ce que j'utilise pour séduire. Alors voilà pourquoi. C'est parce que c'est naturel, alors que ça doit bien marcher. Oui, peut-être, oui. Vous pouvez poser une question, Philippe Bruno vous écoute. Oui, alors, le sexe, ça rend heureux et ça fait du bien. Et je me demandais quel conseil on pourrait donner aux personnes asexuelles, ou j'élargis ça aux personnes qui ont une vie sexuelle désertique, pour remplacer ce plaisir, ce bonheur que le sexe procure. Alors, je suis d'accord avec votre proposition, hein, ça c'est évident. Votre constatation, le sexe, ça donne du bonheur. Mais le problème, c'est que les gens qui n'ont pas de sexualité n'ont pas de sexualité pour des tas de raisons différentes. Certaines se sont retranchées par une déception de la sexualité. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner à la place? Et oui, parce que à chacun, ça serait des choses différentes. Mais ça serait d'abord peut-être d'apprendre la sensualité. C'est-à-dire qu'on revient au sexe, ou on y vient si on n'a pas connu, par de la sensualité, c'est-à-dire des caresses, des massages, d'apprendre nos sens. Et très souvent, d'ailleurs, ceux qui n'aiment pas le sexe, ils sont bloqués, alors soit sur la pénétration, c'est pour ça qu'il y a des mouvements anti-pénétration, mais la plupart du temps ne connaissent pas les approches. Ça peut être, le sexe peut être sans pénétration, avec beaucoup de caresses. Vous avez raison, Philippe Bruno, c'est souvent des personnes qui mettent toujours une distance entre leur corps et le corps de l'autre, comme si toute approche, tout geste pourrait être une invasion dangereuse. Tout geste pourrait amener, ça peut être dangereux si je fais un geste et que l'autre le prenne comme un consentement. C'est d'ailleurs le sujet qu'on abordera demain, justement, avec Simon Broussel. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Émilie, merci beaucoup. Petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous et nous évoquons aujourd'hui la société peut-être un peu trop coincée, qui a tendance à ne plus très bien savoir de quoi on parle quand on parle de sexualité. Donc on essaye de faire le point, comment on peut peut-être, moi j'ai envie qu'on revienne peut-être à un peu plus d'érotisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs de réagir et c'est ce que fait Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Sylvie. Alors je me permets un petit peu de donner mon avis par rapport à... Bien sûr, merci. Oui, donc voilà, je suis une maman de 3 enfants et une mamie de 4 petits-enfants, l'aîné à 10 ans et la dernière à 10 mois. Donc moi ce qui m'inquiète un peu c'est que voilà, donc moi je sais que quand j'étais jeune et que j'avais 8 ans, j'ai eu une maman qui était très ouverte par rapport à la sexualité. Donc vous voyez, ça remonte dans les années 74. On a eu droit à un livre justement qui expliquait le corps humain, le corps de la femme, de l'homme. Très bien, Et qui expliquait justement comment on faisait les enfants. Et voilà, dans le cadre familial où on a eu droit à cette ouverture vis-à-vis de la sexualité. Et c'était pas fréquent à l'époque. C'était en 1974. Oui, c'était pas fréquent. Voilà, donc exactement, très, très, très déjà avant-gardiste par rapport à tout ça. Et donc, moi, j'ai un peu transmis ça à mes enfants aussi. Et ce que je prône aussi à mes enfants, de leur donner à mes petits-enfants. Donc, moi, mon avis personnel, c'est que déjà, il faut en parler dans le cadre familial pour justement avoir le côté où l'enfant peut poser des questions tranquillement, sans avoir le côté, le regard des petits amis en classe, et d'avoir ce milieu sécure pour lui. Et moi, de mes souvenirs, nous, la sexualité vraiment biologique et tout, ça se discutait en quatrième ou en troisième. Donc maintenant, oui, c'est bien de faire de l'avant-gardisme et d'en parler à 8 ans dans les écoles et tout, mais je crois qu'on doit garder une certaine limite et pas rentrer dans les détails comme un petit peu ce qu'on veut
en ce moment inculquée dans le monde scolaire. Ça ne tient qu'à moi, mais je pense qu'il faut avoir une certaine limite dans nos paroles par rapport à l'éducation sexuelle. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon regard de mamie et de maman par rapport à tout ça, quoi. Mais vous parlez d'une éducation sexuelle qui s'est faite à l'école à l'âge de 8 ans ? Bah écoutez, c'est ce qu'on entend actuellement, qu'il y a beaucoup de parents qui s'offusquent justement que dans le milieu scolaire, vous voulez certainement parler de ce qui s'est passé à un moment donné, on voulait expliquer la question du genre aux enfants de 8 ans, etc. Et en effet, il y a eu tout un mouvement qui s'est opposé à ça. Je crois que c'est toujours pareil, c'est que donner les bonnes informations, c'est très complexe puisque c'est très subjectif. Et bien sûr. J'ai tendance à dire, encore une fois, que pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas de bon discours sur la sexualité. Moi, je prône plutôt une éducation à l'affectif et au respect de son corps qui pourrait être donnée dès la maternelle. Vous voyez, mais encore une fois, je ne parle pas de sexualité. Je pense que si on expliquait dès l'âge de 4-5 ans aux enfants que leur corps leur appartient, et que un petit garçon, ça réagit pas toujours comme une petite fille. Mais moi, je sais d'avance que mon discours ne sera jamais retenu, puisqu'aujourd'hui, on est plus dans la question de genre que dans la question biologique. C'est ça. C'est même très inquiétant, je pense. La chose qui serait, on le dit depuis très longtemps, il faudrait qu'il y ait une éducation à la sexualité. En France, ça n'existe pas. Je le dis exprès, en France, ça n'existe pas, sauf quelques cours en 4e, 3e, et qui sont plutôt de l'information, tant mieux, sur la contraception, sur les IST, voilà. Mais, comme disait Brigitte, ça serait bien qu'il y ait quelque chose, d'ailleurs dans les textes, parce que je me souviens que les 4 heures d'éducation à la sexualité ont été annulées en 1998, par un recours d'une association familiale, c'est-à-dire Famille de France, qui s'insurgeait, qui trouvait scandaleux qu'il y ait 4 heures d'éducation sexuelle pour l'ensemble du primaire, secondaire. Et ça a été remplacé, sans le dire, par Ségolène Royal à l'époque, dans sa loi sur l'éducation civique, ont été rajoutées des heures, mais ce qui était dit, c'était qu'il y aurait un enseignement de la maternelle jusqu'en terminale. Après, il n'y a pas de formation et il n'y a pas de budget pour ça, donc ça ne se fait pas. Mais les quelques expériences qui ont été faites. J'ai une de mes élèves qui a travaillé, qui travaille toujours dans un groupe à Évry, et c'est une volonté aussi départementale, où ils font en haute section de maternelle une éducation sexuelle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur apporter des notions, on ne va pas les intoxiquer, on va leur permettre de parler de ce qu'ils pensent du sexe eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont en parler, on ne va pas arriver à leur dire « mais attendez, mais il y a ceci », pas du tout. Et ces enfants vont commencer à être libres de pouvoir parler entre eux, de leurs zizi, de tout ce qu'on veut, mais on leur amène pas de notions particulières. On les a testés actuellement, il y a près de 2000 enfants qui ont été qui ont suivi cela. On les a testés 3 ou 4 ans plus tard, ils sont très différents, beaucoup plus tranquilles. Ils vont être tranquilles par rapport à la sexualité. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quelque chose comme ça, non pas en maternelle, c'est très compliqué, il faut des gens très formés pour ne pas arriver à faire d'apport direct, mais qu'on n'amène pas ce que vous évoquez, notamment cette idée que l'on peut choisir son genre, et lorsqu'on l'a dit à 8 ans, pour que les... Oui, il y a une sorte d'idéologie qui serait, il faut que les gens puissent changer d'identité, de genre, d'orientation sexuelle, s'ils le désiraient. Alors je répète, je l'ai dit au début, on ne change pas de sexe, non. On a un sexe biologique et à 99,5% ou 7%, il ne peut pas bouger. Après,
On ne change pas directement d'orientation. Par contre, on peut faire des expériences, mais il y a des orientations qui s'organisent assez rapidement. Ensuite, au cours de la vie... Mais on n'y est pour rien. Et on y est... Voilà. Voilà. Et ensuite, au cours de la vie, on peut avoir d'autres des évolutions de cette orientation, plus que de l'identité, mais de l'identité dans le transsexualisme, ça existe, on le respecte, on va faire attention, surtout, en n'en parlant pas trop tôt, à ne pas arriver à des changements qui seraient irréversibles, et c'est malheureusement le cas en faisant ce type d'intervention un peu, j'allais dire, un peu sauvage. Il me semble que le discours de Philippe vous rassure, Sylvie Oui, parce que là, j'en ai discuté avec mes enfants qui sont quand même grands, et c'est vrai que moi, j'étais dans l'inquiétude, justement, d'avoir cette dérive où maintenant le transgenre, ça devient pas une habitude, mais disons que maintenant c'est porte ouverte, et puis à la limite, le couple, la personne normale ou l'enfant normal, c'est lui qui devient. Oui, c'est possible. De moins en moins visible, entre guillemets, parce que voilà, la normalité, ça devient plus du transgenre qu'une petite fille ou un petit garçon, dans vers quoi on veut nous diriger. Donc, non, mais rassurez-vous, Sylvie, je crois que le bon sens quand même va l'emporter. Enfin, en tout cas, je veux rester optimiste. Merci d'avoir réagi, Sylvie. Vous aussi réagissez, 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Renaud est avec nous. On se pose la question du trop sexe ou de pas assez, ou du puritanisme qui revient, bref, et on en parle avec vous, parce qu'après tout, vous êtes vous aussi sur le terrain de la sexualité, et on est ravis d'avoir votre avis. Je rappelle que Philippe Renaud est l'auteur notamment de L'éloge de la masturbation qui vient de ressortir aux éditions de la Musardine, et ce livre est intéressant parce qu'il permet de mieux comprendre l'intérêt justement de la masturbation pour que chacun soit libre sexuellement. On ne va pas plus loin que ça, hein. On n'est pas en train de dire que tout le monde doit se masturber, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même une bonne ouverture à la connaissance de son corps et de l'accès au plaisir avec l'autre. Mathieu, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Avec un T ou avec deux T? Un seul, TH. Non. D'accord. Non, je demande ça parce que tous les Mathieu que je connais, maintenant, avant ça s'écrivait qu'avec un seul T, mais il paraît que dans les textes anciens de l'Évangile et tout, il y a deux T. D'accord. Voilà. Ben souvent à l'anglais, c'est plutôt deux T qu'un seul T. Ah, et dans l'anglais. Moi, c'est plutôt à la française. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Eh bien, ne vous taisez pas, parlez, je vous en prie. Oui, moi, je voulais vous parler de mon expérience. Philippe parlait de sexophobie. Moi, j'avais peur des femmes parce que j'ai eu aucune éducation sexuelle. Donc, j'ai découvert tout sur le tas, et malheureusement, quand on découvre sur le tas, on a souvent beaucoup d'appréhension et beaucoup de périples à affronter. Donc, moi, j'en garde une très très mauvaise expérience, parce que je reviens de très très loin. Et aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, les rencontres, je m'aperçois que aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et je m'aperçois aussi que, enfin, je suis hétéro, hein, et donc la plupart des filles que je rencontre, je trouve que avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les phénomènes MeToo, avec les féministes, l'homme déjà, enfin aujourd'hui, il est un peu paumé, et je m'aperçois aussi que les femmes ressentent une sorte de dégoût. Vous parlez de liberté sexuelle, moi je suis vraiment dans cette philosophie là et je suis souvent confronté à des femmes. Il y a comme une forme de protection, de frein. Alors, c'est intéressant, vous prononcez le mot de dégoût, qui est un mot fort. Vous voulez dire que beaucoup de femmes sont un peu dégoûtées à l'idée qu'un homme les touche, fasse l'amour avec?
Ben, c'est des femmes blessées, des femmes blessées, des femmes qui ont été déçues par des hommes, qui ont profité de leur gentillesse, de leur faiblesse, et à un moment donné, on sent que c'est cloisonné, quoi. Donc vous, quand vous arrivez après, vous arrivez sur une piste glissante, donc il faut y aller vraiment. Enfin, il faut être subtil, C'est très intéressant ce que vous dites, et ça montre bien à quel point on a raté la libération sexuelle, parce que finalement, on aurait dû libérer les femmes, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont été abusées, il y a énormément de femmes qui sont tombées sur des mecs qui ne savaient pas faire l'amour et qui les ont, si je puis dire, ratées. C'est difficile, hein, après, en effet. Oui. Et c'est vrai, Mathieu, vous parlez de protection, c'est-à-dire que ces femmes, ce qui est très logique, vont avoir des attitudes de protection, c'est-à-dire devant quelque chose pour lesquelles elles ont été choquées, eh bien effectivement, elles vont être très très prudentes. D'ailleurs, une part d'homosexualité féminine est défensive, c'est-à-dire au moins je suis avec quelqu'un qui ne va pas m'agresser sexuellement comme le ferait un homme. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes peuvent être à ce moment-là vécu comme l'agresseur. Il y a une petite part d'homosexualité masculine qui est due aussi à des attouchements et des abus par un homme dans l'enfance, hein. Même si c'est parfois pas conscient. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis très étonné, on voit énormément de femmes qui se tiennent par la main. Ça veut pas dire qu'il y ait plus d'orientation sexuelle homosexuelle féminine, mais qui sont rassurées, qui sont deux par deux, parce que là au moins, on a quelque chose de plus tranquillisant et protection, comme vous l'évoquez. Oui, c'est vrai. Et la place des hommes, comme vous l'évoquez, est difficile. Parce que, comme vous dites, piste glissante, je passe derrière, je dois faire attention. Alors, vous faites comment? Justement, je voulais vous poser une question. Le fait que vous soyez anthropologue, je trouve qu'il y a aussi, vous savez, dans l'inconscient collectif, on a vécu ces dernières décennies dans une société où le patriarcat avait le pouvoir, et on s'aperçoit qu'aussi aujourd'hui, maintenant, on essaye d'équilibrer. Sauf que on paye un peu, les hommes d'aujourd'hui. Paye un peu les abus de la société, du pouvoir patriarcat des années précédentes, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on le voit, le combat des féministes, moi je trouve que on n'est pas là pour trouver un équilibre, on est là en fait pour détruire l'homme, détruire le masculin par rapport à tout ce qu'elles ont subi dans le passé. Oui, et quand vous dites c'est les années précédentes, non, c'est les millénaires précédents. Oui, ça fait tellement longtemps que effectivement, Brigitte disait, on a raté quelque chose, sûrement, au début de la période de valeur féminine, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années. C'est vrai que là, il s'est presque rien passé pendant 30 ans. Il aurait fallu très vite reconnaître cette violence que nous savions, inceste, abus sexuels, viol, nous les sexologues et autres, on en parlait, personne ne pouvait entendre. D'ailleurs, quand on disait cela, on disait oui, mais c'est dans des quartiers malfamés, c'est toute la société. Moi, je me souviens, les premières émissions que je faisais sur les abus sexuels durant l'enfance, on me disait, ça n'intéresse personne. Enfin, ça n'intéresse personne. Mais vous savez, Mathieu, il y a une chose qui est intéressante aussi à comprendre. J'avais un dîner la semaine dernière et il y avait 5 femmes d'âge très différent, c'est-à-dire que la plus jeune avait 30 ans et la plus vieille avait 75 ans, donc c'était vraiment intéressant, et nous n'étions absolument pas, alors on a pu converser tranquillement, Philippe Bourneau, on était toutes prêtes à écouter les unes et les autres, et bien aucune n'était d'accord sur cette question de consentement et sur cette question d'abus. Donc on voit bien aussi que il y a un courant aujourd'hui qui est très différent faut vivre avec son temps et laisser peut-être les jeunes femmes aujourd'hui s'exprimer, et on verra ce qu'il en sortira. Je suis assez d'accord avec vous, Philippe, on saura dans 10 ans. Peut-être que c'est encore tôt pour juger de... Alors, c'est un petit peu tôt, et comme vous l'évoquiez, donc on a peut-être raté quelque chose il y a pas mal de temps, ce qui amène
une sorte de guerre des sexes qui revient. Mmh. Là, c'est vraiment ça. Mmh. Qui est terrible parce que les hommes d'aujourd'hui qui se sont améliorés, bien sûr qu'ils ne sont pas irréprochables, eh bien, n'arrivent pas. Les femmes pas. Non plus. Hein, bien sûr. Mais c'est aux hommes qu'on demande des comptes. C'est compliqué. Hein. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est compliquée. Pour les hommes et pour les femmes sûrement aussi, parce qu'on ne peut pas attaquer en permanence le partenaire. Oui, oui. Mais vous savez, Mathieu, moi je me souviens de notamment une amie, Hélène Vecchiali, qui avait sorti un livre il y a plus de 10 ans, où elle mettait en garde le fait que les hommes étaient en danger. Ça peut paraître fou. Je sais pas si elle oserait le sortir aujourd'hui, notamment parce que dans les collèges, etc., pratiquement il y a que des femmes qui enseignent. Enfin, et c'est vrai que tout ça. Mais aujourd'hui, on est dans une sorte de raz-de-marée après MeToo, et je crois qu'il faut laisser passer le raz-de-marée, peut-être. Moi, en tout cas, Brigitte, moi, j'ai baissé les armes. Je veux dire, dans le rapport de force, dans la guerre des sexes, ça ne sert à rien, puisque dans une guerre, les deux sont perdants. Ah, oui. Les deux parties sont perdants. Donc, raison. Moi, je préfère vraiment baisser les armes, essayer de me mettre à nu si je me sens pas en danger. En général, bon, la fille, enfin, comprend, hein, donc elle est ouverte, elle est prudente, mais en général, voilà. Quand je baisse les armes, je trouve qu'à un moment donné, l'autre s'ouvre et voilà. Enfin, ça crée un lien, ça crée une relation. Mais voilà. Enfin, il faut vraiment y aller avec des gants. Faut Mais Mathieu, même si mon émission n'est pas représentative de toutes les femmes de France, hein, forcément, c'est des femmes qui sont peut-être un peu plus libérées qui écoutent cette émission. Enfin, peut-être et puis peut-être pas. J'en sais rien. Mais on entend tous les jours des femmes dans cette émission qui sont des femmes libres et qui aiment les hommes. Donc, il faut pas s'inquiéter non plus. Hein, tout va bien, hein. sur le terrain tout va bien, mais il y a ce courant actuel qui est une sorte de en effet de guerre des sexes. Je crois que vous avez raison, Philippe, on peut utiliser ce mot-là. Mais oui, parce que ça a été souvent dit qu'il y avait une guerre des sexes, ça a été dit dans les années 1920. Bah, à l'époque, beaucoup de choses choquaient, par exemple la liberté de quelqu'un comme Colette, il y a plein de gens qui... Et on a dit qu'il y avait une sorte de guerre des sexes qui allait se tramer. C'est vrai que les hommes avaient peur, je pense, parce que ils n'étaient pas remis en question, mais c'était la première fois où on osait dire quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a une vraie guerre des sexes. Et c'est malheureux, parce que exactement ce que vous venez de dire, tout le monde peut en avoir de mauvais impact. Ça n'aidera personne, la guerre des sexes. Et actuellement, il y a une radicalité qui voudrait... faire ce qui n'a pas été fait précédemment, mais ça peut pas se faire rapidement. L'évolution d'une société peut pas se faire rapidement. J'ai entendu des jeunes néo-féministes dire, mais les anciennes, les Françoise Daubonne, toutes les grandes féministes, elles n'ont pas fait grand chose. Regardez, la société n'a pas changé. Or, c'est compliqué pour elle de comprendre ce qui s'est fait et qui a été considérable, parce que c'est par des petits pas que la société avance. Mais c'est pas acceptable pour les révolutionnaires que la société avance par petits pas. La révolution veut que ça aille toujours très vite et elle fait souvent beaucoup de dégâts. Il faut bien le reconnaître, évidemment, et c'est pas ce qu'on peut souhaiter pour une société. Enfin bref. Merci Mathieu d'avoir réagi. On continue dans un instant. Merci Mathieu, avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Bourneau est avec nous et merci d'être avec nous, Philippe, parce que vous êtes également anthropologue, hein, et on voit bien que la sexualité dans une société, elle est importante à comprendre par rapport à l'évolution d'une société, à l'évolution. Oui, on essaie de réfléchir à qu'est-ce que la sexualité.
pour comprendre la sexualité aujourd'hui, il faut aussi prendre un peu de recul dans le temps, dans ce que nous sommes, qu'est-ce que la sexualité humaine, dans les sexualités, voilà. Et dans l'histoire, aide, hein, parce que quand il y a des guerres, après les guerres, on incite plutôt les femmes à faire des enfants, parce qu'il faut repeupler le pays. Enfin, je sais que c'est des choses qui sont peut-être aujourd'hui inentendables, mais c'est une politique de natalité, elle a aussi son histoire, etc. Enfin bref. Et on a tellement séparé pour nous, et c'est très vrai, la sexualité récréative de la fécondité, quitte à certains de dire je ne veux pas reproduire l'espèce humaine, que on comprend mal la politique de natalité qui est nécessaire, sinon tout va s'effondrer, et notamment par exemple le paiement des retraites ne peut marcher que s'il y a plus d'actifs que de retraités. Bon, enfin bref, on ne va pas faire de politique parce que là, on rentrerait trop dans la politique. Non, c'est de la sociologie. Mais c'est important de bien comprendre que, c'est politique quand même, la sexualité. Et oui. Tout le temps. Bonjour Annie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Merci de vos émissions. Et puisqu'on parle un petit peu de l'histoire, de la sexualité aussi, si vous me permettez 30 secondes, moi je voudrais rendre hommage à Ménie Grégoire. Ah oui. Bien sûr. Brigitte, bien sûr. Ça doit lui parler parce que cette femme a fait énormément pour la cause des femmes. Et moi je suis des années 60 et tenez-vous bien, j'écoutais Ménie Grégoire à 14h avec mon papa. Imaginez, mon papa était né en 32. Oui. Donc, qui était donc un papa ouvert aux femmes, hein, parce que c'était une émission très... Ouais, elle donnait beaucoup la parole aux femmes. Ouais. Et après, ma maman qui rentrait de travailler. Et on commentait tous les trois ce qu'on avait. Bon. Mais merci Ménie. Il y a sa petite fille qui a écrit un livre. Magnifique. Le livre, je le recommande. Il est très bien et je l'avais reçu d'ailleurs. Le livre est très chouette. Et c'est vrai qu'elle a. Enfin, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Ménie Grégoire avant sa mort. Donc, je peux vous dire que c'était une femme remarquable. Et moi, au début, j'avais du mal à vous écouter, vous, Brigitte Lahaye. Et maintenant, j'avoue, je trouvais que vous n'étiez pas la même. Non, mais je suis ouverte. Et alors, depuis que je prends le temps de vous écouter, ça fait quand même bien maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai l'impression. Que vous êtes riche, et puis franchement, j'aime parce qu'il n'y a pas de tabou et vous parlez toujours vrai. Bon, allez, sur ce, je vais vous expliquer pourquoi j'appelle. Moi, je suis une ancienne infirmière scolaire et je voulais rassurer un peu les parents. Vous savez, les heures d'éducation à la vie sexuelle et à la vie affective dans l'éducation nationale, c'est très, 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 très pauvre. D'accord? C'est vous les infirmières scolaires finalement qui à mon avis ont la place la plus importante me semble-t-il. De façon individuelle, oui, bien sûr, c'est important. Mais il nous manque du temps, faut se battre pour trouver les horaires, faut négocier avec la prof de SVT, faut négocier avec les profs partants pour dire de pouvoir faire quelque chose. Bon, j'avais réussi à négocier et moi j'avoue que j'intervenais plutôt avec les classes de 4e. La prof de SVT avait fait tout ce qui était biologie et moi j'arrivais un petit peu pour agrémenter le sujet. Les gars, au départ, ils étaient tout contents parce que je leur montrais la pose d'un préservatif. Bon. Et puis, ça faisait ma légitimité. Ils étaient heureux. Toutefois, avant de commencer mon intervention, je prenais toujours la précaution de dire que ce qui se disait dans le groupe appartenait au groupe. C'était le préalable qui me semblait indispensable. Il était hors de question qu'après, dans la cour, on commence à dire un tel a dit cela, une telle a dit cela. C'était voilà. Et qu'après, pour les questions plus individuelles, je me tenais toujours à leur disposition à l'infirmerie, où là je pouvais davantage répondre à leurs questionnements. Très bien, oui, tout à fait. Ensuite, il y avait aussi quelque chose, je commençais toujours par les faire parler, c'est important de libérer la parole dès le départ, et après je commençais toujours par leur annoncer une bonne nouvelle, c'est que leur corps leur appartenait. Qu'il était qu'à eux et que c'était ce qu'ils avaient de plus cher au monde. Qu'en aucun cas, leur corps appartenait à papa,
à maman, au grand frère, au tonton, au petit ami ou à la petite amie, leur corps était à eux. Et ça, ça me semblait primordial. Mmh. On ne faisait pas l'amour la première fois parce que le copain mettait la pression. Voilà, c'était ce que je voulais qu'ils retiennent. Et après, je voulais leur dire aussi que les relations sexuelles, ben, ça se passait toujours à deux. Que ce soit quelqu'un du même sexe ou bien que ce soit quelqu'un d'un sexe différent, mais il fallait toujours être à deux. Et surtout, ben, qu'il fallait que les deux soient consentants. Parce que bien sûr, ben, s'il y en a un qui n'est pas consentant, comment ça s'appelle? Et là, ils arrivaient à me parler de viol et tout ça. Et ça, bon, moi, ça me semblait vraiment le béaba. Et puis après, qu'est-ce que j'aimais leur dire aussi? Qu'en amour, tout était possible. Parce qu'il y a toujours, ben voilà, c'est pas facile à cet âge-là, on se pose plein de questions. Et ben, qu'en amour, on a le droit de tout. À partir du moment où les deux sont d'accord. Toujours ouais. Revenir là-dessus. C'est un discours tellement simple, évident, mais qui malheureusement manque. Parce qu'on manque de gens aptes à pouvoir le dire aussi simplement, aussi naturellement. Mais oui, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous dites bien ce qui devrait se faire. Il n'y a pas besoin de choses plus compliquées. Parce que souvent, c'est des associations, c'est le planning, c'est un certain nombre de choses qui vont parler de... souvent des IST, de prévention et de contraception. Mais tout ce que vous dites, souvent, c'est pas dit. C'est-à-dire tout simplement que l'amour permet beaucoup de choses, qu'on peut être libre de vivre ce que l'on veut s'il y a du consentement. C'est-à-dire parler de sexualité. Le reste, c'est un cadre qu'il faut donner, mais bravo, c'est très bien et vous avez fait ça toute votre vie et c'est formidable. Et vous avez certainement aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants à devenir des adultes plus libres sexuellement. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Annie. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, on va parler des mots du sexe. On va écouter aussi Bénédicte qui a testé pour nous un vibromasseur et puis on aura l'auteur de ce livre Sexphobie en ligne, 2 minutes également. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Bruneau, vous avez écrit un livre qui s'appelait Les mots du sexe, hein, je crois. Il y a très longtemps, c'est vrai. Et ben justement, c'est mon love conseil. parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'aborde pas souvent ensemble, dans un couple. Est-ce que tu aimes que je te parle? Est-ce que tu n'aimes pas que je te parle? Oui. Alors que Louis, ça fait partie de nos 5 sens, et c'est même un des premiers sens hein, quand bien on arrive sûr. Au monde, qui nous fait entrer dans le monde, si je puis dire. Et donc, parler pendant l'acte sexuel, c'est absolument pas anodin. Faut-il encore dire ce que l'autre a envie d'entendre et se taire si l'autre n'a pas envie, si ça le débranche, si je puis dire, de ses sensations. Donc, j'ai tendance à dire que c'est mieux d'en parler avant, hein, est-ce que tu aimes qu'on parle ou pas, et je dirais que sans doute, il faut commencer soft si on a envie de parler, parce que c'est pas la peine de choquer. C'est vrai qu'il y a des hommes, notamment quand ils ont eu une éducation sexuelle assez basée sur la pornographie, qui ont un peu tendance à penser qu'il faut traiter sa partenaire de chienne, alors que celle-ci, elle attend plutôt des mots d'amour. Oui. Donc, on imagine un petit peu la douche froide que ça peut provoquer. Voilà, donc si vraiment c'est impossible pour vous de ne pas parler, ben, il vaut mieux trouver quelqu'un qui accepte. Hein, et je trouve que les mots durant l'acte sexuel viennent souvent naturellement, un petit peu comme sans qu'on ait besoin d'y penser. Hein. C'est un peu l'enfant qui va dire ce qu'il ressent sans penser aux conséquences. Donc il faut être indulgent. Hein. C'est pas forcément, si on nous traite de salope, c'est pas forcément parce que l'homme pense qu'on est une salope. C'est une sorte de... Voilà, c'est peut-être une métaphore qui permet d'exciter si l'autre est intéressé par ça. Toujours voilà, pareil. Donc ne jugez pas comme ça a priori, mais essayez d'en parler si ça vous dérange d'être traité de ce genre de choses pendant l'acte. Donc voilà, mais je crois que c'est important d'oser aborder ce sujet s'il y a quelque chose qui vous dérange. Mais oui, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait aussi un... que ça soit mal pris sur le moment, que ça interrompe l'acte.
Non, je crois qu'il faut effectivement savoir avec... Et d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez remarqué aussi, hein, les hommes par exemple adorent que les femmes fassent des gémissements, qu'elles manifestent leur jouissance, alors qu'il y a des femmes qui sont très silencieuses. Mmh. Ça c'est pareil, il faut aussi pouvoir à un moment donné en parler, parce que sinon l'homme croit que ça lui fait rien, alors qu'elle prend vraiment son pied. Enfin, tout ça nécessite peut-être une mise au point. Alors, il y a parole et puis il y a onomatopée, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des bruits, des cris, et moi je crois que d'ailleurs, ça libère le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre l'expression libre des borborygmes, de quelque chose qui vous vient si l'autre accepte, hein, et à ce moment-là, la libération, par exemple orgasmique. Oui, peut-être qu'on est encore des gorilles, qui sait. Bénédicte, bonjour. Oui, bonjour à vous deux et bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Bonjour. Alors, vous avez en revanche vous accueilli ce vibromasseur Big Good de luxe. Big Good de luxe, oui. De la marque Schwitz, que l'on trouve sur ruedesplaisirs.com. Oui. Alors, voilà. Bon, alors très original, il faut mettre des piles dedans. Il y a longtemps que je n'avais pas eu un sex à pile. Alors, hein. Oui, sex à pile. Exactement, un sex à pile. Mais alors, quand je l'ai vu, cet appareil, c'est la première fois que j'ai un appareil, voilà, que je reçois quelque chose comme ça, que j'achète ou, enfin, j'ai jamais eu, bref. D'accord. Ça m'a pris 2 jours pour trouver comment on mettait les piles. Pardon, mais. Non, mais c'est là où on voit qu'on a encore besoin des hommes. Nous, les femmes, on est parfois démunies de face à des choses comme ça, aussi basiques. Oh, mais c'était. Vous avez c'était pas, pas dans ma logique. De l'ouvrir, quoi. Vous saviez pas pourquoi. Exactement. Il fallait non seulement le dévisser pour ouvrir, mais en plus, il fallait tirer. Remarquez, vous avez raison. Là, je suis en train justement de tester, bon. Parce que moi, c'est Bénédicte, bah oui, ma collaboratrice, qui m'a. Vous n'y arrivez pas plus que Bénédicte, là. Mais attendez, là, j'essaye de comprendre comment on met les piles. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Bon. Vous avez raison, je suis aussi une blonde, hein, Bénédicte. Pourtant, vous aviez une chanson qui disait « Tirez la bobinette et la chevillette de Chéra ». Bon, moi, j'ai pas l'habitude de ces machines. Du donc coup, vous j'ai êtes arrivé. Au bout de 2 jours, d'abord, je... Bah, vous savez qu'il paraît que c'est bien pour faire monter le désir d'attendre. Au bout de 2 jours, vous y êtes arrivé. Bon, c'est Philippe qui me fait rire, hein, surtout. Non, mais moi, j'adore, parce que vous avez de l'humour. Franchement, ça nous amuse beaucoup. Aussi. Bon, ben... Bon, donc au bout de 2 jours, vous avez compris... 2 jours plus tard. Ensuite, il vous a fallu 2 jours pour trouver les bonnes piles. Exactement, parce que j'étais allée acheter une pile en fonction de ce qu'il y avait écrit sur la boîte. Et bien sûr, c'était pas celle-là. Ah. Donc, je suis repartie et j'avais ces piles. Ah, j'ai dit, ok, c'est comme ça, d'accord. J'ai des piles, donc je mets dedans et après je cherche le bouton pour pour faire marcher le truc. Après, il est très beau, hein, franchement. Je sais pas, vous l'avez, Philippe et Brigitte, devant les yeux. Oui, il est magnifique. Il a une couleur très féminine, très douce. Alors moi, je l'ai en orange. Oui, hein. C'est orange. Mais c'est pas grave, c'est une couleur très spirituelle, oui. L'orange, vous savez. Oui. Moi, je l'ai rose fuchsia. D'accord. Là, c'est la toge des bronzes asiatiques. Oui. Bon, enfin, toucher, et vous avez réussi à le faire marcher une fois que vous aviez mis les piles. Rassurez-moi. Oui, j'ai réussi à le faire marcher en m'attendant à un truc extraordinaire. Ben non, en fait, c'est pas transcendant. Moi qui n'en ai jamais essayé, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un God, donc, un Big Good. Et non, j'ai pas trouvé. Alors après, ça donne des sensations. Il marche très fort en plus, hein. Mm-hmm. Ouh là là. Il marche fort, ouais. Et alors, il marche fort et je crois que c'est. Comment expliquer par rapport à la forme, c'est pas une forme. Enfin, oui, c'est une forme phallique, mais une fausse forme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ogive un peu. Oui. On dirait un obus, quoi, un petit obus. Oui, oui. Hein
Oui. On dirait une arme militaire, effectivement. Oui. Ouais. Moi, j'ai peur on va l'envoyer en Ukraine. Après, je peux faire peur si je le sors du sac, ça peut faire taser, je ne sais pas. Bon, bref. Mais il est très doux au toucher. Voilà, là, vraiment, la qualité touchée, c'est très doux. Mais après, ça ne m'a pas envoyé au 7e ciel. C'est-à-dire que je pense que c'est plus un objet pour l'introduire dans le vagin et pour faire des sensations au niveau vaginique que pour le clitoris. Donc, c'est peut-être. Ah oui, c'est pas pour le clitoris du tout. Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui vous a. Vous avez été un peu déçu. Bon, vous en enverrez un autre, Bénédicte. Avec plaisir. Et promis, on essaiera de trouver quelque chose qui se recharge et pas à pile. Hein. Par alimentation, mais non à pile, s'il vous plaît. On a compris votre humeur. Bon, c'est gentil en tout cas, oui. C'est très sympa. Offrez-le à une mauvaise copine et puis voilà. Oh non, je le trouve très joli et très doux. Je pense que je vais le garder. Quand même. Bon. Donc vous y voyez partenaire. Vous y voyez quand même quelque intérêt peut-être. Bon, quelle note vous lui donnez, Bénédicte? Avec sa forme, sa douceur, bon, c'est moi qui ai galéré pour les piles, mais c'est ma faute, hein, j'ai pas réfléchi. Je dirais 6 sur 10 quand même. 6 sur 10, ok. Ouais. Ce vibromasseur Big Good de luxe, on le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Si vous avez envie de voir à quoi il ressemble ou de vous le procurer, n'hésitez pas. Merci en tout cas et bravo pour votre humour. Merci Bénédicte. On continue avec donc l'auteur de ce livre, Sexphobie, qui est sorti aux éditions Laborintus et qui a été un peu l'idée de cette émission aujourd'hui, que visiblement vous appréciez. Et il est en ligne avec nous. Bonjour Gianpaolo Furgioli, j'espère que je prononce à peu près bien votre nom. Oui, ça va. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Gianpaolo. Alors, vous avez écrit ce livre pour un petit peu faire le point sur la manière dont la société, finalement, aujourd'hui, parle de sexualité, hein, il me semble. Oui, un peu. En fait, ce livre a pris forme à travers une série de rencontres, de débats, de réflexions, tant dans les cadres de ma pratique en cabinet que dans celui, en fait, des associations. Et aussi par rapport au débat public. Donc il s'agit essentiellement d'une compilation d'articles ou de chapitres que j'ai rédigés, voilà. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, il y a 3 sujets qui reviennent souvent aujourd'hui dans les débats sur la sexualité, comme vous l'avez plusieurs fois abordé lors de cette émission. Il y a la question de la pornographie, la question de ce que Roland Gori appelle de nudge, des mots valises qui reviennent souvent et qu'on utilise souvent dans les débats, par exemple se libérer des injonctions sociales aujourd'hui, et puis il y a aussi le sujet des pratiques sexuelles. Oui. Donc, il y a ces 3 sujets qui reviennent souvent, que ce soit dans les débats publics, soit aussi lors de mes consultations. Donc, on a donc la question qui est liée à la pornographie, par exemple. Aujourd'hui, on essaie de diaboliser tout court tout ce qui est lié à la pornographie. Toute la pornographie donc a une valeur négative. Même chose, les pratiques sexuelles. J'apprends, en fait, qu'il y aurait des pratiques qui sont plus ou moins favorables, qui ont plus ou moins une valeur positive vis-à-vis de la sexualité. Ce qui est embêtant, parce que du coup, ça ne permet pas à chacun d'avoir sa propre liberté, évidemment. Absolument, absolument. Et puis il y a aussi la question de la drague, comme vous avez eu l'opportunité d'aborder aussi. La question de la drague aujourd'hui, très compliquée, surtout, je pense, dans les nouvelles générations. Les nouvelles générations qui n'ont pas connu la drague différemment que par les applications de rencontres. Ça aussi, à mon avis, ça peut poser des problèmes. Mais vous recevez des jeunes hommes aujourd'hui, Gianpaolo, et est-ce que pour eux ça paraît totalement stupide d'essayer de draguer ou de séduire une femme dans un lieu public, par exemple? Alors, il y a, je pense, 2 points. Donc, le premier, c'est plutôt dans les nouvelles générations. Donc, les nouvelles générations qui sont nées aux alentours des années 2000. Oui. Et donc, ils ont connu la drague uniquement
par des applications de rencontre, que ce soit Tinder, que ce soit Grindr, voilà. Et ces applications-là ont développé un langage qui est scriptisé, standardisé. C'est-à-dire que dans la façon aussi de draguer virtuellement autrui, draguer virtuellement l'autre personne, on utilise toujours un script. Et ce script-là est redondant, c'est-à-dire qu'il revient souvent, il revient de la même façon tout le temps. Si on arrête avec les applications, les transactions au niveau de la communication sont réduites. C'est-à-dire qu'on on ne connaît pas d'autre façon de se rapporter aux autres. Et on voit ça également dans les boîtes. Par exemple, la disque des boîtes aujourd'hui sont complètement désexualisées. Aujourd'hui, on ne va plus en boîte pour rencontrer quelqu'un. Etc. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, et on va uniquement pour s'éclater, on va pour passer des bons moments, mais on voit là aussi la difficulté pour une bonne partie des nouvelles générations. Ce qui veut dire finalement que depuis les années 2000, hein, les nouvelles technologies vont complètement faire évoluer la manière de vivre entre hommes et femmes, quoi. Absolument. Hommes et femmes ou entre hommes entre genres différents, mais il y a quand même une chose sur laquelle vous insistez. Enfin, il y a pas mal de choses passionnantes dans votre livre qui sont notamment cette évolution de la drague qui serait très peu possible, la façon où il y a des faux profils, où il y a des gens quand même qui abusent d'autres, ça c'est vrai. C'est vrai que Tinder sur le modèle de Grindr va beaucoup changer le type de rencontre, ça c'est évident. Mais comme vous le dites, est-ce que c'est aussi fréquent pour tous? Est-ce que ça se voit pas plus dans certains milieux, et notamment peut-être dans le milieu de l'homosexualité, que cette drague a beaucoup changé? Oui, vous avez parlé de la relation entre sexualité et monde virtuel. Aujourd'hui, je crois que surtout dans le domaine homosexuel, donc surtout par rapport à l'application Grindr, que si on veut, on peut la comparer à Tinder, mais à mon avis, c'est un tout petit peu différent, soit dans le but que dans sa fonction. Grindr, ça vous donne donc des profils qui sont connectés en même temps que vous, géolocalisés pas loin de vous, donc par rapport aux autres applications, par rapport aux autres sites de rencontres, c'est Grindr qui génère l'envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les applications de rencontres qui vont donc vous inciter, vous inviter à vous connecter, à rester connecté plus longtemps. J'ai plusieurs fois répété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les buts de toute application n'est pas que vous alliez rencontrer. Non, c'est pas le bonheur des autres. Non, absolument. Le but, c'est de vous faire rester connecté le plus longtemps possible. On dit souvent que si le produit est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Vous voyez? Il y a un autre système aussi, c'est aussi le système de la récompense. C'est-à-dire que ces applications-là vont travailler aussi sur tout ce qui est dopamine. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'il peut se manifester. C'est le principe même des nouvelles technologies, hein, c'est de nous rendre accro et qu'on débranche plus. Franchement, j'ai trouvé que votre livre avait un aspect intéressant. Je peux le conseiller à ceux qui nous écoutent s'ils veulent bien comprendre. Ça s'appelle Sexophobie, chronique d'une sexualité en crise. C'est aux éditions Laborintus. Merci beaucoup, Gianpaolo, d'avoir pris un petit peu de votre temps. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Brenot est avec nous. Est-ce qu'on est dans une société qui devient trop puritaniste? Est-ce qu'on est dans une société qui perd ses repères? C'est à vous de réagir et je crois que Pierre a envie de réagir. Et on va conclure avec vous, Pierre. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Ravie de vous avoir. Moi personnellement, je n'ai pas rencontré spécialement de personnes qui étaient, anti-sexe ou contre tout genre de pratiques.
Alors moi, pour ma propre expérience, je vais dire, quand on connaît pas, on peut pas en avoir trop envie. Mais à partir du moment où on commence à y goûter, je pense que ça devient compliqué. Les, moi, de s'en passer, vous voulez dire? Oui, voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Je dirais, moi, j'ai eu ma première relation, j'avais 23 ans. Alors pour vous dire, en fait, moi, là, moi, je suis entré dans une famille très, très, je dirais, pratiquante. Et donc, le sexe avant le mariage était prohibé et tout ça. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse, en fait, sans en connaître. Par contre, le jour où j'ai commencé à y goûter, aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en passer. Et quelques périodes de moments où j'étais célibataire, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai qu'alors, moi, personnellement, je connais pas spécialement de personnes qui ne veulent pas avoir de sexe. Voilà, je pense que ça fait partie de la vie. Et je dirais, si on est né, c'est aussi grâce au sexe. Donc rejeter ça, c'est compliqué. Oui, mais, mais encore une fois, c'est votre expérience, vous l'avez bien dit. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut qu'il y ait, voir toutes les expériences, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un mouvement dans lequel, pour tout un tas de raisons, certaines personnes vont se retrancher de la sexualité. Mais c'est important qu'il n'y ait pas un silence de l'autre côté et que vous puissiez dire, mais moi je ne connais plutôt des gens qui s'intéressent à la sexualité, je pense que c'est très majoritaire, mais... à partir de là, la chose est compliquée aujourd'hui parce qu'on a l'impression que si on dit ça, on dévalorise l'opinion de ceux qui pensent que la sexualité doit être mise de côté. Non, c'est plutôt... il faudrait d'abord des études plus solides qui nous montrent qu'il y a vraiment une tendance au retrait et à la réduction de la sexualité. On le verra dans une dizaine d'années, hein, si on a du recul. Pour l'instant, c'est vrai que la dernière enquête a montré que les jeunes faisaient moins l'amour. Est-ce que ça va se maintenir comme ça? Est-ce que c'est juste un contre-coup après Covid? C'est difficile, hein, on n'a pas encore assez de recul. Je suis bien d'accord avec vous, Philippe Bruneau. Mais encore une fois, vous êtes un homme, Pierre. Tout à fait. Alors après, pour abonder dans votre sens, je vais vous donner un autre exemple, du coup qui m'est revenu, pourtant c'est du vécu. Mon ex-femme, je dirais, on ne couchait que très très rarement ensemble. Voilà, c'était une fois tous les 5-6 mois quand j'avais la chance. Mais c'était avec moi. Je dirais, quand elle a rencontré quelqu'un d'autre après, je dirais tout a changé. Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on avait grandi tous les deux dans le même moule, entre guillemets, moule chrétien, tout ça. On s'est mariés très jeunes. Et c'est vrai que je peux pas dire qu'elle était vraiment accro au sexe, bien au contraire. Et voilà, pourtant après, ça s'est révélé. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est pour ça que elle a découvert quelque chose d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Et oui, qui est important à comprendre aussi, parce que beaucoup de gens ont mis de côté la sexualité parce qu'il y a, par exemple, des mauvaises expériences qui ensuite, on n'a pas envie de recommencer quelque chose de désagréable ou quelque chose de traumatique. Mais je vais me faire le lien avec la nourriture parce que je trouve que c'est souvent très facile. Quand on est petit, qu'on nous force à manger, moi, il y a des choses qu'on m'a un peu forcé à manger quand j'étais petite et j'en avais déduit que je n'aimais pas. Aujourd'hui, c'est des trucs que je mange avec plaisir et j'ai pas de problème avec ça. Et je trouve que dans la sexualité, c'est pareil. Une femme qui a une première expérience de sodomie avec un homme qui sait pas s'y prendre et qui a très mal, elle en déduit qu'elle n'aime pas la sodomie. Si après, il y a quelqu'un qui arrive à la réhabiliter avec la pratique, elle peut tout d'un coup jouir de cette manière-là. Donc, vous voyez, Pierre, je pense qu'encore une fois, il faut rester ouvert. Mon discours depuis toujours, c'est pas vous devez absolument faire l'amour, c'est indispensable, etc., etc. C'est apprenez à savoir qui vous êtes sexuellement pour pouvoir être libre et être en accord avec vous-même. C'est ça mon discours, c'est tout. Je suis pas quelqu'un qui veut absolument que tout le monde fasse l'amour tous les jours. Oui, puis la métaphore de l'alimentation, vous avez raison Brigitte, c'est on parle bien d'appétit sexuel. Et alors l'appétit vient en mangeant. C'est vrai aussi, sur le sexe. Oui. Mais il y a une chose, c'est que on sait très bien que la sexualité, ça s'apprend. Et on apprend aussi l'aversion de la sexualité. Et on apprend aussi à aimer les bonnes choses. Hein. On apprend à aimer les bonnes choses, mais de la même façon, une part des gens qui se retranchent... Oui. Une part des gens qui se retranchent, par exemple, de la sexualité, sont peut-être des gens qui ont appris... pas souvent désappris, qui ont eu des expériences très négatives qui font qu'ils ne savent pas que ça peut être épanouissant.
Alors, après, une femme, une femme qui n'a jamais eu d'orgasme, moi je peux comprendre que elle, c'est un peu une perte de temps pour elle. Hein, si elle n'a pas de plaisir et pas d'orgasme, autant regarder un bon film. Hein. Non, Pierre? Ben, je vais vous dire oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ouais, ben, ouais. Ouais. Après, je dirais pour toujours vous rejoindre ce que vous disiez juste avant, quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience, ça peut l'embêter. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec mon ex-femme. Quand elle était jeune, bon, elle avait été un petit peu abusée. Enfin, elle était abusée tout court, on va dire. Bah, oui. Et je pense que ça a peut-être eu une influence directement sur notre vie sexuelle après. C'est possible, oui. Voilà. Oui, et puis si au début, vous saviez pas trop, vous étiez jeune, vous n'avez pas pu trop la mettre en confiance, et c'est pas une critique de ma part, hein, évidemment. Eh ben, allez rester avec cette idée que c'est pas intéressant la sexualité, et puis votre couple il est parti sur cette base là et c'est difficile, hein, on le sait, dans un couple de changer les paramètres, hein. Et la sexualité féminine est beaucoup plus fragile, c'est-à-dire que si par exemple il y avait autrefois des injonctions, et dans le milieu dont vous parlez c'est très possible qu'on ait dit mais tu sais c'est sale, c'est quelque chose qui est pas agréable, venant de quelqu'un, par exemple une femme de l'entourage qui avait mal vécu sa sexualité, et à ce moment-là tout ce qui va venir va le confirmer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des prescriptions autoréalisantes. C'est-à-dire qu'en effet, mais oui, c'est vraiment désagréable. Jusqu'à, comme vous le dites, parce qu'elle fait une autre rencontre par la suite, eh bien, tant mieux pour elle qu'elle puisse se découvrir et se libérer. Merci Pierre, en tout cas, merci, c'est avec vous qu'on va conclure. Donc. Et puis merci Philippe Bruneau, éloge de la masturbation, hein, pour celles peut-être qui n'osent pas trop. C'est important pour les femmes. Oui, absolument, parce qu'il faut déjà se connaître un peu mieux soi-même pour pouvoir demander ce qu'on aime. Merci beaucoup Philippe Bruneau. Tout de suite vous retrouvez Alexandre Delevan et on sera avec Seymour Bruxelles demain, ostéopathe, et on parlera de notre rapport au corps et est-ce que dégage notre corps quand on est face à quelqu'un, à ses vibrations. Vous verrez, c'est certainement très intéressant aussi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.